Elle est de quelle ethnie? Où ça? Elle est d'Égypte. Ah oui, elle est d'Égypte. Oh, venez, venez avec elle, elle sera guérie. Va, va filmer, va filmer son état. On va filmer. Il y a une fois qui est venue comme ça ici, tout le monde le sait. On va filmer ici, la semaine derrière la défaite. Ah, c'est la défaite. Qui l'a blessé dans le monde? Vous l'avez amené où? Vous l'avez amené où? Pour venir avec elle, je dis que tu es à Fresco avec elle. Elle est à Fresco. J'avais la couche. Voilà. Donc, tu allais la chercher mes parents. Bah, le fait que vous venez, elle se débattait, donc il était obligé de la tâcher. Non, laissez. Elle sera guérie, venez avec elle. Filmez bien, parce que ça, dans une semaine, on va la voir. Vous allez voir, ça va. Venez avec elle. Attends, attends, attends. Il y a un problème. Vous la voyez ici, dans une semaine, ça va guérir. Regardez-la très bien. Regardez-la très bien. Quand puisqu'elle est venue, si c'est la même chose, je l'ai fait délivrer. Amen. Elle sera délivrée. Ça, c'est une petite promesse. Regardez très bien. Je vous donne une semaine, c'est fini. Elle n'a jamais pris de crise de folie depuis qu'elle est née. Ok. Je donne ce ménage à la guérie. Voilà, c'est bon. Il faut bien filmer parce qu'on va filmer sa nouvelle vie. Il m'a guéri. Voilà, maintenant nous on va la mettre officiellement dans les chaînes et puis la délivrer. Nous voulons démarrer, Seigneur, la délivrance. Et nous te mettons la première place, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons que tu délivres. Et au travers de cette action, tu donneras gloire à ton nom, Jésus-Christ. Alors tous les esprits que l'on a accompagnés jusqu'à aujourd'hui, je les ordonne de lâcher sa vie au nom de Jésus-Christ, de lâcher son âme, de lâcher son esprit. Elle est entrée dans cette cour pour être délivrée. Et nous croyons sa délivrance. Nous allons la mettre dans les chaînes, la libérer tout à l'heure, dans une semaine. Et nous croyons qu'elle sera guérie, elle sera délivrée pour que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons faire une 4 jours sans qu'elle mange. Elle ne va pas manger, elle ne va pas boire. Ce sont les prescriptions que je donne. Voilà, donnez. Maintenant, c'est nous qui allons les mettre en chaîne. Donnez-moi en chaîne. Le jour où il y a la mettre en chaîne, elle est guérie. Donnez les chaînes. Non, les clés sont avec. Elle sera délivrée. Nous, on a vu comme ça aussi une fille pire comme ça. Elle a guéri, c'est le pâté réjoui 100% pour son mari. Ça, c'est important. On attend de finir sa vie. Comment pas t'inquiéter? Vous les démons, vous êtes vaincus à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, son âme, son esprit sera totalement délibéré. Elle sera libérée et la gloire reviendra à Jésus-Christ. La puissance reviendra à Jésus-Christ. Elle mange. Elle mange. Elle mange. Elle mange. Elle mange. Ça fait deux semaines qu'elle a fait la crise. Elle se comportait très bien. Bon, il y avait des comportements pas trop normal.
C'est plus facile. Ok, yo. Nous allons tous nous tenir debout et demander au Seigneur de se souvenir d'elle. Amen.
Et la Bible dit dans Matthieu 17, 21, tels sont les démons, ne sortez pas le jeûne et la prière. Matthieu 17, 21. On n'en met pas en jeûne pour la séquestrer. C'est un jeûne qui est grosse. Que le jeûne vient pour briser les obstacles. Le jeûne pour que les obstacles se brisent. Elle commence son jeûne. C'est pour ça que maintenant elle démarre la prière. Si une semaine, tu vas t'attendre. Il y a des gens qui ne marchent pas dedans, on fait ça dessus. Nous allons lever la main pour le Seigneur Jésus parce qu'il donnera gloire à ton nom. Merci. Merci parce que ce cas, ton nom sera glorifié. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Merci de protéger notre gloire. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Levez la main et venez faire les offrandes. Après, vous pouvez.
Shalom, je suis Philippe, évangéliste, directeur du centre Péniel, le centre de prière de délivrance du prophète Joël Classo, situé à Daroko, dans la sous-préfecture de Ire, dans le département de Djibou. Il faut dire qu'à travers ce centre, Dieu a miraculeusement guéri, Dieu a délivré des personnes animées de l'esprit de la folie et aujourd'hui qui sont là au milieu de nous. Donc je voudrais vous présenter cette fille du nom de Annick qui était agitée, animée, tourmentée par la folie et qui est venue aujourd'hui de façon miraculeuse, qui a été délivrée des mains du prophète Joël Krasou à travers son centre de prière et d'évangélisation. Et par la prière, bien sûr, elle a été miraculeusement guérie. Oui, Annick, aujourd'hui, comment tu te ressens? Est-ce que ça va aujourd'hui? Dans la grande église, ça va un peu. Ça va bien. Jésus, cet esprit t'a quitté définitivement, c'est ça? Tu te sens, tu te portes mieux maintenant? Très bien maintenant d'ailleurs. Okay. Nous allons demander à la maman comment elle est arrivée ici, dans quel état elle est arrivée dans le centre. Mais je précise que nous sommes plus ou moins dans sa cour, chez elle à la maison, pour voir comment elle se porte. Nous allons demander à la maman comment elle est arrivée ici. Mon enfant, tu as connu à voir hier, la maladie que je n'ai jamais vue. Ou bien, ben, cette maladie a pris mon enfant. Ben, et je suis venu à elle, mon enfant. Pour voir quelle maladie elle a. Elle a commencé à prier. Je suis resté là-bas jusqu'à. Et Dieu a entendu ma parole. Et Dieu m'a aidé. Et par la grâce de Dieu, l'enfant a eu la guérison. Et nous, je remercie le Dieu Tout-Puissant. Et je n'ai jamais vu cela. Dieu m'a dit d'attendre. Mais je vais arriver. Et Dieu a fait les miracles de mon enfant. J'étais étonné. Parce que je ne savais pas que l'enfant allait avoir la guérison. Je remercie Et je vais jamais finir de le remercier. Je suis contente, ça va, elle fait tout, je suis avec elle, ça va. Elle se sent bien, je l'envoie, tout ça. Elle parle, elle court, elle fait tout. Elle fait tout. Oui, mais dans quel état elle est arrivée ici? Est-ce qu'elle était beaucoup agitée? La maladie avait commencé il y a combien de temps comme ça? La maladie l'a pris. C'est là-bas, dans l'autre village. C'est dans l'autre village qu'elle est tombée malade. Ils m'ont dit de venir et je suis allé la prendre. Et je suis allé avec elle chez le prophète. Je suis resté avec elle chez le prophète pendant 3 mois. On a fait 3 mois chez le prophète. Par la grâce de Dieu, Dieu a opéré les miracles. Nous allons prendre le témoignage de la sœur Sonia, qui est la sœur jumelle de Annick, qui a délivré. Sonia, dans quel état vous souhaitez arriver ou ça? Elle avait enfanté. Et on était tous en joie. Moi, je suis sa soeur jumelle. Je suis allé dans le village voisin. C'est là-bas qu'est le village de notre papa. Lorsque je suis arrivé là-bas, c'est ma tante que j'ai trouvée en place. Et
Et j'ai demandé pour savoir dans quel village était ma soeur. Ce jour-là, m'a dit qu'elle allait avertir son mari d'abord. Et elle a appelé son mari. Donc elle a appelé son mari. C'est là que son mari a dit que dans la tête d'Annick, vraiment c'est bouleversé dans sa tête. Et j'étais affaibli. Je venais au village à Zaroko. Lorsque je suis arrivé, il y a Betty maman. Maman était aussi bouleversée. C'est ainsi qu'on a appelé son mari. Et son mari nous a dit, soyez confiants. Mais nous sommes à l'église. Dans cette église-là, elle aura la guérison. Et maman a dit, il y a un homme dans notre village qui s'appelle le prophète Joël Crasso. Lui aussi, il guérit par la grâce de Dieu. Même n'importe quelle maladie, par la grâce de Dieu, il arrive à guérir cela. Maman a appelé son mari pour qu'on envoie sa fille. Et lorsqu'ils sont venus avec sa fille, nous sommes allés chez le prophète Joël Crasso. Arrivé là-bas, de la manière qu'elle faisait, elle gâtait tout, elle était très violente. Et son mari a acheté une chaîne. Et on a mis ça dans ses filles, on l'a enchaîné. Elle était dans la chaîne, mais malgré ça, elle était très violente. Nous-mêmes qui l'envoie à manger, elle nous tapait avec les pieds. Moi-même, ma soeur jumelle, elle ne me connaissait pas. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, le prophète Joël Crasso a prié et elle est guérie. Merci Dieu, tout-puissant, le tout-puissant Dieu. C'est quoi, va chef. Et Dieu va faire que le travail du prophète va aller de l'avant. C'est là que je m'arrête. Nous nous dirigeons comme ça vers le centre de prière, Péniel, qui est le centre de prière de délivrance du prophète Joël Crasso, où, dès les premières heures, la fille, elle a été accueillie, Annick, délivrée de la folie, elle a été accueillie dès les premiers jours, et là-bas, elle a obtenu la guérison. Donc nous nous rendons comme ça au centre, pour montrer où elle avait été attachée, liée, dans les premiers jours. Comme je le précise, elle était tellement agitée qu'on ne pouvait pas la maîtriser. Il fallait qu'on lui mette les pieds, les chaînes aux pieds, du moins, pour pouvoir la maîtriser.
Et c'est comme ça, elle a été reçue au cocotier. Le cocotier que vous voyez, c'est là, l'endroit tellement agité, tellement violent, qu'on ne pouvait rien faire sans l'avoir enchaîné. C'est ici l'endroit qu'elle avait été enchaînée le premier jour. Une chaîne, on a acheté, maîtrisée à la suite, on a réussi à l'enchaîner au couteau. C'est comme ça qu'on a réussi à la maîtriser ici. C'est ici, elle lapidait les gens qui venaient, on était obligé de l'enchaîner ici encore, la déplacer pour l'enchaîner au deuxième cocotier. Mais ça n'allait rien, ça n'avait rien fait, parce que les gens venaient ici à la prière, et elle prenait les pierres, les lapider, injurier tout le monde, et elle se déshabillait même parfois. Elle se mettait nue, excusez-moi du terme, mais en tout cas, on n'arrivait pas du tout à la maîtriser. Donc il fallait aussi qu'on se déplace encore, aller gérer la maison. Ce n'est pas un endroit où nous avons l'habitude d'alterner tous ceux qui viennent dans la même situation. Donc, les gens, toujours. C'est ici qu'elle était enchaînée. Après les cocotiers, tellement elle fatiguait tout le monde, on était obligé de l'emmener ici. C'est ici qu'elle était enchaînée. Voici encore les chaînes. Et tous ces dégâts que vous voyez, tous ces tuyaux cassés, les tuyaux étaient enfouis dans la terre. Et c'est elle qui a creusé. Elle a creusé, elle a fait sortir. Elle a cassé en plus. Tous ces dalles que vous voyez, c'est elle qui a fait tous ces dégâts. C'est elle qui a fouillé tout ça, on ne sait pas ce qu'elle recherchait. Et même d'ici, elle prenait encore des pierres pour lapider ses voisins. Donc à chaque fois, les gens se plaignaient. Elle les lapidait, ça devenait palable. À chaque fois, et nous, comme nous sommes proches d'elle, on était obligés à chaque fois de venir calmer les esprits. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a été guérie miraculeusement. Parfois, elle-même, elle enlevait la chaîne. Et voici les dessins qu'elle faisait au mur. Voici les dessins qu'elle faisait au mur. Tout ça. Quand ça a été écrit, ça a été écrit par elle. Je te dis, madame, je vais. Elle enlève tout ça, elle jette ça partout. Elle lapide les gens. À chaque fois, on était obligé de venir lui rendre visite. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'elle fait encore? Même la pépinière, il y avait une pépinière de cacao ici, elle a tout gâté. Elle a tout détruit. Voici. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut rendre toujours gloire à Dieu. Elle a été guérie de façon miraculeuse. Délivrée aujourd'hui. On lui a enlevé les chaînes au pied. Voyez aujourd'hui, voici les cicatrices qu'elle porte encore. Les cicatrices de la chaîne. Je n'en ai pas plus. Les cicatrices qu'elle porte encore. Tout ça. Il fallait parfois serrer la chaîne pour pouvoir la maîtriser. Il fallait serrer la chaîne pour pouvoir la maîtriser, sinon on ne pouvait pas. C'était difficile de la maîtriser. Voici les blessures de la chaîne. Tellement elle était agitée, violente. Les voisins étaient aussi les victimes parce qu'elle prenait des pierres, comme je l'ai dit, pour les lapider à chaque fois. Lapider. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle a retrouvé la guérison, elle a retrouvé la délivrance totale. Nous rendons gloire à Dieu. Nous ne ferons que lui dire merci encore. Merci et encore merci. Il y a mon collègue pasteur qui était là aussi, Serge, qui était là, qui l'a vu lorsqu'il est arrivé. Nous allons prendre aussi son témoignage, lui arracher quelques mots. Serge, dans quel état il a suivi? Bon, il faut dire que lorsque la jeune femme venait ici, elle est arrivée ici le 7 avril 2014, lorsque sa maman et son mari l'amenaient ici. On a cherché à savoir comment cela est arrivé. On nous a dit que c'est après son accouchement, une semaine après, elle a subi la maladie. Certains filles, notamment, ils ont été pêchés au centre ici. En l'absence du prophète d'abord,
il était sur Divo lorsqu'il venait ici. Et quand il est venu, il a vu, il a essayé d'échanger avec les parents. Donc, j'ai demandé qu'on enchaîne les cocotiers. Tellement il était agité, tellement il insultait tout le monde. On était obligé de la déplacer parce que, à nos croisades, à nos prières, ceux qui venaient chercher leur délivrance ici, elle est lapidée avec des cailloux. Il faut dire que vraiment, sa délivrance n'a pas été facile. Mais comme Jésus est Seigneur, amen. Moi-même, la première nuit, quand j'étais tombé ici, parce que moi, elle venait, j'étais absent. J'étais allé au WC, à mon retour. Mon collègue m'a posé la question, mais est-ce que tu reconnais la jeune fille? Je ne l'ai pas d'abord reconnu. Ça, franchement, je ne l'ai pas reconnu. Et quand il m'a dit, je regarde là très bien. Et je l'ai regardé, je l'ai admiré, j'ai vu les cicatrices, j'ai dit, mais tiens, c'est que Jésus est Seigneur, ça arrive sur mon cœur. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que Dieu fait tout. Et on est obligé de la déplacer, de l'amener ici. Ici, mais ça a été encore plus grave. Parce que les voisins de derrière se plaignent à chaque moment, tous les dégâts que vous voyez ici, c'est elle qui a commis tout ça. Moi-même, elle a insulté ma maman, mes parents, craché sur mon visage. Mais comme c'était Jésus, elle avait besoin d'une délivrance. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au centre de toutes choses. Son miracle, c'est Jésus. C'est vrai, Dieu n'est pas son serviteur, mais c'est Dieu qui est le maître. Et ici même, elle prenait des cailloux pour détruire la chaîne. Je pense qu'on a payé plusieurs fois cadenas ici, même des chaînes, plusieurs fois. Donc, toutes ces cicatrices que vous voyez, on est obligé de serrer la chaîne pour pouvoir la maîtriser, comme l'a dit mon collègue. Pour pouvoir la maîtriser, c'est ce qui a causé toutes ces blessures sur ses pieds, sur ses bras. Mais aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu, parce que c'est Jésus qui a vraiment guéri cette soeur, miraculeusement. Et aujourd'hui, dans le village, quand elle passe, beaucoup sont étonnés. Moi, j'ai été surpris quand on m'a dit qu'elle est jumelle. Là, ils m'ont présenté sa jumelle. J'étais tellement surpris. Aujourd'hui, la voici, elle est jumelle. Donc, nous rendons gloire à Dieu. C'est Jésus qui l'a guéri. Et moi, je suis réjoui, franchement. Ça m'a réjoui, ça m'a tellement dépassé. Parce que, quand ça m'a passé, je dis avec elle, ça a pris une prière. Je dis, ça m'a parti avec elle. Et aujourd'hui, Dieu a permis à ce que la soeur soit rétablie. Je me pose la question si déjà ils ont pris son mari. Parce que son mari est venu ici avec elle. Il est parti pour s'occuper de l'enfant. Parce que c'est après son accouchement qu'elle a eu l'esprit. À 2 semaines après. Et ils sont venus avec elle ici. Dans le mois d'avril. Là, ils sont arrivés ici. Donc aujourd'hui, j'ai rendu gloire à Dieu qui a permis, qui a opéré ce miracle et qui a guéri cette soeur. Shalom. Voici où tu t'es enchaîné. Voici tous les dégâts que tu as connus aujourd'hui. Comment tu te sens? Bien. Bien. C'est juste avant. Ça va bien par la grâce de Dieu. J'espère qu'il rende gloire à Dieu. Et voici les chaînes. Qu'est-ce que ça te rappelle? Tu étais agité, tu ne voyais rien. C'est vrai, mais aujourd'hui tu vois ça. C'est un souvenir. Il faut dire qu'elle-même. Même. Oui. Je peux dire que les mots en train de la manquer parce que elle-même se voit, quand elle se regarde, le jour en lui montrer la vidéo de son arrivée ici, de tout ce qu'elle a fait, je pense qu'elle va couler les larmes. Quand elle va se voir, puis elle va voir sa vie de maintenant, il y aura une très grande différence parce que les soeurs venaient ici, par moment, elle s'était habillée. Par moment, en tout cas, elle était. On ne peut pas la maîtriser. Il fallait la mettre forcément dans les chaînes. Très agitée. Donc aujourd'hui, vraiment, ça me réjouit en la voyant, c'est que Jésus est Seigneur. Et je dis à tout le monde entier que ici à Daoko, Jésus délivre. Tous ceux qui souffrent des mal, que ce soit la folie comme cette sœur, que ce soit la sorcellerie, c'est Jésus qui a la base de tout le miracle. On a besoin des gens qui souffrent, n'ont qu'à venir. Jésus va les guérir, quelle que soit la durée de la maladie. Jésus est Seigneur, c'est lui la guérison, c'est lui qui est l'auteur du miracle. Je lance l'appel à tout le monde entier, tous ceux qui ont des parents qui souffrent d'un mal, d'une maladie, quelle que soit la durée de la maladie, c'est Jésus qui est Seigneur, c'est lui qui est au centre de toutes choses. Donc je dis merci à Dieu d'avoir guéri cette sœur. Je remercie le Seigneur. Amen. Il y
M. Amaré Timothy, lui est responsable du comité d'organisation. Lui aussi l'a vu, l'a fille, quand elle est venue, Annie, quand elle est venue. Nous avons dû arracher quelques mots. Effectivement, comme l'a si bien dit le pasteur, lorsqu'elle est arrivée ici, elle était vraiment très agitée. Et c'était difficile même de la maîtriser parce que les vendredis, après le vendredi, samedi, on a réveillé, c'était vraiment insupportable. Parce que sous les cocotiers, elle était presque à quelques millimètres de la bâche et elle nous indisposait beaucoup. Or, vraiment, il fallait plutôt chercher un abri et c'est là qu'on s'est retrouvé ici avec elle, enchaînée. Et c'était difficile. Je me rappelle bien même où un jour même elle était, je m'excuse du mot, à poil. Et j'étais obligé même de chercher un morceau de pain pour la couvrir. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je rends vraiment gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu a fait son miracle, il fallait. Nous le disons gloire. Ma mère a beaucoup souffert. Elle a été seule. Seule, je peux dire, pratiquement seule. À s'occuper de la délivrance de sa fille. Parce que par moments, il fallait aller la prendre, viens, mais tu as fait quoi? Lui-même, vraiment, on était fâché contre elle. Mais on voyait que ce n'est pas ta faute, parce que c'est une femme. Elle se ne pouvait pas, mais la tenir. Et aujourd'hui, Dieu a permis que sa fille soit guérie. Oui, je... La souffrance qu'elle a subie n'a pas été facile. Par moments, elle s'est déplacée, quand sa fille se déchaîne, nous-mêmes qui sommes les pasteurs, les hommes de Dieu, on se lève contre elle. Parce que c'était elle qui pouvait seule maîtriser son enfant. Parce que c'est une femme, malgré l'esprit de la folie, mais c'est elle qui devait s'occuper d'elle. Parce que par moi, c'est déshabillé, nous les hommes. Ça nous indisposait, mais on était obligé de l'attacher, de la maîtriser. Jusqu'à ce qu'on aille chercher sa maman, elle vient, elle va et vient, mais ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, Jésus est Seigneur. Ça me réjouit le cœur, c'est pour ça que j'ai mal encore. Maman, aujourd'hui, voici ta fille. Voici le lieu où il était enchaîné. Bien, il y a un grand. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a attendu mes prières. Je lui remercie énormément, infiniment. Je remercie le Seigneur. Je vous prie, Gabriel. Bonne prière. Okay. C'est ce que les collègues, et tous ceux qui ont assisté à l'arrivée de la jeune fille, ont dit. Il faut dire qu'elle était hyper agitée. Nous lançons en même temps un appel à tout le monde entier que Dieu est le maître des miracles. Jésus est le Seigneur des miracles. Quel que soit le mal dont tu souffres, déplace-toi bien ici à Jaropo. Quelle que soit ton infirmité, ta paralysie, quel que soit comment tu es aveugle, je te demande tout simplement de te déplacer. En tant que directeur, en ma qualité de directeur du centre Seigneur, je t'invite de bénir lui et foi d'abord. Viens expérimenter la puissance de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait pour cette jeune fille, je peux le faire aussi pour toi. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse.